action. Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Folies de Nini. Voilà, aujourd'hui je vais vous proposer en fait une vidéo un peu particulière. C'est la première fois que je vais faire ça, c'est une vidéo un peu unboxing. Mélanie de la chaîne Happy Together 17 et Karine de la chaîne Karmis Boob, elles le font aussi en fait. Elles filment tous les jours un peu les courriers qu'elles reçoivent et elles les ouvrent en fait en caméra pour vous les faire partager. Donc du coup bah je me suis dit, avec l'accord des filles, je me suis dit en fait on a discuté et je vais essayer de voir ce que ça donne. Moi je reçois pas beaucoup de colis, je reçois pas beaucoup de courriers. Là c'est plutôt en fait des commandes que je passe. Là, en l'occurrence là je crois que c'est du AliExpress. Donc comme ça au moins ça me permet de vous partager mes petits achats à la semaine. Voilà, donc c'est parti, on va ouvrir ça ensemble. Donc je commence en fait par ce petit... pardon. Ce petit courrier qui vient du Canada, on voit Post Canada. Donc je pense qu'en fait c'est des CD de musique que j'ai acheté pour l'anniversaire de mon mari. Donc j'ai acheté plusieurs, mais donc ça a été relativement vite. Hein. Franchement c'est... Je lui ai acheté au moins 5-6 CD. J'en ai qui vont arriver au mois de janvier. Et là, ça a été vite. Alors, voilà, donc c'est un CD de Daniel Bélanger, Le Rêve Mieux. Voilà, donc faut savoir que mon mari en fait aime le Québec. C'est une passion, il adore ça, il aime la culture, il aime la musique, il aime tout là-bas. C'est pour ça qu'on aime aller à Montréal, c'est un peu notre passion à nous. Et lui, en l'occurrence, les CD de musique, c'est son petit truc. Les séries et tout, on regarde beaucoup de séries québécoises aussi. Je continue par ce petit truc-ci. Ça, c'est commande AliExpress. Ah. Alors, c'est des stickers. Hop, hop, hop. C'est pour mes neveux. Pour mettre dans leur chambre. Je vais vous montrer tout ça. Hop, hop, hop. Parce que j'avais acheté sur le site Wish des stickers pour mes neveux Mario, parce que c'est grand fan de Mario. Et du coup en fait il n'y en avait pas assez, c'était trop petit, ils ont un lit superposé, donc il y en avait un pour un des enfants, mais l'autre enfant du coup il n'avait pas de stickers et le mur franchement il était tout blanc, ça faisait nu. Donc du coup avec ma soeur, avec ma belle-soeur, c'est ma soeur aussi, on s'est dit on va acheter un sticker. Donc du coup Mario, voilà. Hop. Ça donne ça. Donc je pense qu'en tête de lit ça peut être super sympa. Et le dernier petit colis, je pense que ça doit être mon trépied, parce que je me suis commandé un trépied, parce que j'ai pété. Là vous êtes sur mon ancien trépied qui est un peu cassé. Je l'ai cassé la dernière fois, parce que je suis une fille très délicate, faut le savoir. Ouais, c'est mon trépied. Donc je l'ai acheté 8 €. Donc vraiment je suis contente. On va voir s'il est bien quand même. Je suis contente. D'abord s'il est de bonne qualité. Enfin, en même temps pour 8 €, je pense que... Oh, bah, déjà il se présente dans une petite housse comme ça. Qui est ma foi pas mal. Oh, il est ma foi pas mal. Il est très bien, très joli le trépied, j'aime beaucoup. Alors hop, on va essayer de faire ça correctement. Par contre il est pas très haut. Ah ouais, ah ouais, il est pas haut du tout. Le mien il est deux fois plus grand. Bon, ça va pas le faire. On va voir ça. Bon,
Attends, je réfléchis à tout ça. Ah, mais si je fais ça comme ça. Bon, enfin bref. C'est pas le plus passionnant, je pense. Voilà. Donc ça, voilà, c'est pour filmer. Donc voilà, en fait, pour ces petits achats. Donc, je pense que je vais recevoir, c'est sûr même, d'autres commandes de AliExpress. Parce que j'ai fait une grosse commande AliExpress. J'ai juste reçu un petit colis aujourd'hui, vraiment pas grand chose. Donc c'est un colis d'AliExpress. Comme je vous ai dit, j'ai fait beaucoup de commandes. Hop. Ah bah c'est un jeu d'échecs. Ah voilà. À la base ça devait être un tapis, mais vous savez, un peu en mousse, mais pas un tapis comme ça. Enfin clairement, j'ai quand même payé 8 euros, presque 8 euros ça. Donc les pions plus ça. Il y avait marqué dans le descriptif, pardon, tapis en mousse. Ah, ma fille elle va se foutre de ma gueule hein. C'est pas grave, au moins comme ça j'ai quand même des pions. Je vous en montrerai quelques-uns parce que je sais pas si vous savez, mais ma fille fait des échecs. Elle joue, elle est dans un club d'échecs de ma ville. Et dimanche 12, elle fait sa première compétition d'échecs. Donc du coup, bah, je voulais lui acheter en fait un petit plateau avec des pions. J'ai fait tomber des pions. Oh là là, mais mon dieu, je suis une grosse nuche. Voilà. Les petits pions. Bon, les pions sont, hein, sont basiques. Hein. Ça, c'est une reine, je crois. Je suis pas sûre. Ah, ça, c'est le roi. Ah. Alors, moi, j'y connais rien. Échec. Ah, plat. Je suis même nulle là-dessus. J'ai horreur de ça. J'aime pas ça. Elle, elle adore. Voilà. Bon. Assez mitigé avec ce colis. Donc voilà, pour ce petit colis, j'ai eu que ça, le truc d'échec de ma fille. Un peu déçu, le plateau. C'est surtout le plateau, enfin franchement, c'est une feuille de. C'est une feuille. C'est nul. Enfin bref, je vais essayer de trouver autre chose. Donc j'ai reçu deux petits colis. Donc celui-là, je pense que c'est Amazon. Sans être sûr, on va ouvrir ça tout de suite. Il n'y a même pas une ouverture facile. Oh, c'est pas Amazon ça. Non, non, non. Ce ne sont pas des colis comme ça Amazon. Ah bah si, 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 c'est Amazon. Voilà. Un autre CD, en fait, là, c'est les colocs. Dehors novembre. Donc c'est un des CD que j'ai commandé pour l'anniversaire de mon mari. Donc voilà. Je vous invite à aller découvrir ces albums là, franchement, on aime ou on n'aime pas, moi j'aime assez, c'est vraiment sympa, c'est très bonne musique. Nous on apprécie ce style de musique là. Essayez d'écouter, essayez de voir, et puis comme ça moi vous pouvez me dire en barre d'infos ce que vous en pensez. Nous on aime bien, c'est les musiques québécoises, voilà. Et le deuxième colis, donc ça doit être AliExpress. On va déchirer. C'est des petits pins pour mes sabots au travail. Donc là j'ai pris Harry Potter, là on voit Dobby. Voilà, Dumbledore et tout. Parce que du coup, je sais pas si vous savez, moi je suis aide-soignante, donc je travaille à l'hôpital et j'ai des sabots crocs qu'il faut que je change bientôt. Parce qu'elle commence à se faire vieille. Et du coup j'aime bien personnaliser mes petits sabots. Donc moi j'ai des vrais, j'ai 4 vrais sur mes sabots. Mais ça coûte quand même assez cher. Et il n'y a pas ce que je veux surtout. Donc voilà, franchement très contente. Mes petits. Donc bien sûr, je pense à Ludivine, hein, la chaîne Divine DPZ. Donc Ron. Moi je suis assez contente. J'en attends d'autres, j'attends plein d'autres. Et j'ai reçu un gros colis comme ceci. Pareil, je pense que c'est AliExpress. Donc on va ouvrir ça ensemble. J'avais vu Mélanie en fait de la chaîne Happy Together 17. Elle avait acheté ça en fait pour son
son chéri et puis pour Lily, la chaîne Passion de Lily. Donc c'est en fait une horloge en vinyle. Donc moi j'avais déjà vu il y a longtemps sur des sites en fait via Facebook et tout ça. Ça coûtait quand même assez cher, une trentaine, quarantaine d'euros. Et du coup quand je l'ai vu qu'elle l'avait pris aussi sur AliExpress, du coup j'ai vu qu'il y avait des Mario et j'ai pensé à mes petits neveux. Et oh, c'est mignon hein, franchement pour une tuche. C'est vraiment tout choubidou, donc je vous montre comme ça, hop, vite fait. Donc avec Mario et Luigi, je vais vous enlever l'emballage comme ça, je pense que vous verrez mieux. Et du coup, bah, j'ai trouvé que c'était... Hop. Et du coup, ça m'a beaucoup plu et je me suis dit, bah, je vais faire comme elle, je vais copier sur Mélanie. Donc voilà. Bon, par contre, ouais, bon, c'est du papier ici, mais... Hop. Voilà, bon, après c'est pour une chambre d'enfant, la qualité, ça passe quand même, hein. Franchement c'est pas vilain. À voir si ça fonctionne, au pire même si ça fonctionne pas, et bah ça fera une belle déco dans leur chambre. Je suis assez satisfaite, franchement je trouve ça vraiment sympa. Donc ma belle-sœur elle sait que moi je vais offrir ça à mes neveux. Eux ils savent pas encore, je pense leur offrir pour Noël, leur faire une grosse box Noël de Mario. Donc je pense que ça va être sympa. Ça je l'ai eu, je l'avais acheté à 16 euros je crois. 16 euros et c'était 50 centimes les frais de port, je l'ai eu, j'ai trouvé. Et c'est arrivé relativement vite. Hein. Je vais montrer ça à mon mari, franchement même lui il va me dire que c'est vraiment... Voilà, là j'ai trois petits paquets. Je les ai pré-ouverts parce que du coup comme ça au moins ça fera moins de bruit en caméra. Donc Nora elle a voulu venir avec moi, on a Sophia qui est ici. Bon elle est en mode pyjama à la Wallegan Beast to Fly. Hein. Mais bon, c'est pas grave. Vas-y, ouvre ça. J'ai déjà ouvert, c'est un pyjama. Ah, c'est peut-être pour ton père, pour son anniversaire. Chut, faut pas dire. Oui, il faut pas dire. Donc voilà, en fait, c'est un t-shirt avec marqué bacon dessus, en version en fait Coca-Cola. Donc on avait vu ça, je sais plus où est-ce qu'on avait vu ce t-shirt-là. C'était sur internet ou dans une série de télé. Et puis il avait flashé sur ce t-shirt. Il a trouvé ça tellement drôle. Et j'avais mis des années et des années à le trouver. Enfin deux années. Ça faisait un an que je pense que je le cherchais. Et puis du coup là je l'ai vu sur AliExpress. Et le dernier colis bah du coup ouais, j'ai entrevu ce que c'était. C'est pour Sophia. C'est des petits personnages comme ça. Chut, du dessin animé Octonaut. Donc en fait voilà c'est un dessin animé que du coup attends. Octonaut. Attends. Donc en fait c'est un dessin animé du coup qu'elles adorent. Elles regardent en boucle et en boucle et en boucle. Et les figurines sont quand même assez chères. On n'en trouve pas partout. Et là du coup quand je les ai vues sur AliExpress je me suis dit c'est l'occasion. L'émission elle est vraiment mignonne. En fait voilà c'est une équipe d'animaux qui se baladent en mer et c'est Cassie. Et qui viennent sauver en fait l'océan. Les animaux de l'océan. C'est Cassie. Donc c'est un petit dessin animé qui est vraiment sympa. Si vous avez des enfants, bah regardez, elle a 6 ans, elle a 2 ans. Elles sont toutes les deux passionnées par ce dessin animé là. J'ai 7 ans. Non, t'as 6 ans. Bon, moi je suis un petit peu déçue parce qu'à la base j'avais acheté ça en fait pour Noël. Mais c'est de ma faute. Nora m'a demandé d'ouvrir les courriers avec moi, mais je pensais pas l'avoir aussi vite. Parce que du coup je l'ai acheté après toutes mes commandes et je pensais pas l'avoir aussi rapidement. Bon bah, elles ont un cadeau de Noël en avance. C'est pas grave, c'est comme ça, c'est la vie, c'est de ma faute, je m'en prends qu'à moi. Donc aujourd'hui j'ai reçu un petit courrier. Voilà c'est tout, donc pareil, AliExpress, hein, moi j'ai un abonnement AliExpress en ce moment. Ah punaise, ça a été vite. C'est excellent. Donc voilà en fait c'est des petits trucs comme ça, c'est pour mettre les couverts. Donc j'ai deux bonhommes de neige, deux petits Père Noël comme ceci et deux petits rennes comme ça. Et en fait c'est pour ma déco de table à Noël, je vais mettre, je vais placer, donc il y en a 6 en tout, ouais, si je compte bien, 2, 4, 6, ouais. Et donc en fait que je vous montre tout ça. Voilà, ici vous avez un petit trou ici et vous mettez vos petits couverts. Moi il est un peu petit celui-ci et vous mettez vos fourchettes et vos couteaux dedans. Et je trouve que ça fait vraiment, ça peut faire vraiment sympa sur la table. Donc je suis très contente, c'est très mignon.
J'aime beaucoup. Hop, hop, hop. Mais je les ai reçus, mais à une vitesse. Je les ai commandés il y a moins d'une semaine. Comme quoi, des fois, il y a des articles qui arrivent à une vitesse et d'autres qui sont super longs. Bah, celui-là, le trou, il est un peu plus grand. Donc, franchement, c'est vraiment sympa. Pour mettre les couverts, pour en déco de table, je trouve ça vraiment mignon. Tout en feutrine. Franchement, trop choubidou. Trop sou, trop sou, trop chou. Toc. Voilà, et je vous montre le bonhomme de neige parce que c'est dans le même style. Hein. Mais que vous puissiez mieux voir les détails en caméra, je pense que c'est plus sympa. Toc. Bah, vraiment trop mignon. Les petits détails avec les joues et tout, c'est vraiment canon. J'aime beaucoup. Donc voilà. Hop. Et voilà pour tous ces petits colis. Aujourd'hui, j'ai mon chat qui est en train d'arriver. Donc voilà, bah c'est parti, j'ouvre ça avec vous. Donc il y a du AliExpress et du Amazon comme d'habitude. Hein, voilà, ça va être vu la. Ça va être une coque ça. Hop hop hop. Qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce que t'as le chat? Oh oui. Donc voilà, c'est une petite coque comme ceci. Moi j'ai un téléphone, c'est le Samsung Note 3 et du coup j'aime bien changer de coque et je trouve pas beaucoup de coques pour mon téléphone. Donc j'ai trouvé celle-ci, voilà, qui est toute mignonne. Bon, c'est imprimé, hein, c'est pas du top qualité. Tout est imprimé, même les strass, c'est pas des vrais strass. Bon, pour le prix que j'ai payé, franchement, ça le fait. Celle-ci, ça doit être une autre coque aussi. Hop. Ah, ça c'est une coque que j'ai fait faire personnaliser pour mon mari. Donc à la base, du coup, moi je voulais faire personnaliser avec un groupe de football québécois. C'est l'Impact de Montréal. Et du coup, ils m'ont dit non, ils m'ont dit c'était pas possible vu que c'est un logo, il faut qu'ils payent la licence. Donc voilà. Donc je vous montre un peu. Bon, je cache mon mari parce qu'il veut pas passer à la caméra, monsieur. Donc voilà. C'était pendant nos vacances en fait au Québec. Pour la fête de la Saint-Jean. Donc voilà. Donc je pense qu'il va être ravi. Lui, il a un iPhone 6S. Ah, je me demandais ce que c'était. Donc je me suis commandé un t-shirt. Alors j'ai reçu dans le t-shirt un petit bracelet comme ceci. Avec une petite libellule. Moi, ouais, toute mignonne. C'est mignon. Bon, les filles, je pense qu'elles se serviront comme bracelet. Et du coup, moi, je me suis commandé un t-shirt. Que j'ai pris un peu plus large, parce que comme ça, moi, je voulais le porter un peu plus loose. Avec du coup... Ah, c'est bon. Jack. Donc voilà. Donc je suis contente. L'imprimé est vraiment pas mal, du coup, bah... Puis la matière aussi, c'est pas une espèce de lycra. Arrête, Sophia, ça suffit, elle est toute excitée, elle va aller à la crèche, elle, ça va lui faire du bien. Elle est en train de s'attaquer à Mickey. Donc voilà pour mon petit t-shirt, j'en suis ravie. Je passe par Amazon. Donc Amazon, c'est un gros colis. Et du coup, j'ai... Une, deux, Maman, trois CD. Donc j'ai Robert Charlebois, je pense que certaines connaissent. Donc là c'est une compile de Robert Charlebois. Voilà. J'ai aussi un CD de Éric Lapointe, c'est un chanteur québécois aussi. Et du coup, bah, François Pérusse. Donc je pense que vous connaissez, vous savez, à l'époque c'est lui qui avait fait les petits sketchs de la pub Oasis, vous savez, chute, chute devant, non, chute, enfin, c'est des petits trucs comme ça, Oasis is good, c'est lui qui avait fait en fait les petites parodies, et en fait là-bas du coup il a des petites chroniques à la radio, et puis mon mari il adore ça. Donc là il a sorti un best-of là il y a une semaine, et du coup bah, je lui ai offert,
Voilà, donc le petit best-of de François Pérusse. Avec ça, mon mari va être ravi. Donc tout ça, en fait, c'est commandé par Amazon CA, donc Amazon Canada. Donc je sais que j'ai déjà acheté avec Amazon US aussi des DVD. Ça marche assez bien. Bon, là, j'ai juste payé les frais de douane. Parce que du coup, c'est passé à la douane, ce colis-là. Ah oui, t'as raison, hein. J'achète. Non. Oh, maman a dit des bêtises. T'as raison. Et donc, le dernier colis. Oh, maman. Oui. T'as raison. Qui sont les derniers CD de mon mari. Après, je crois que je n'ai plus rien acheté. Donc ça, c'est pour son cadeau de Noël et anniversaire. Ouais. Et donc du coup, on a Daniel Bélanger. Voilà. Tout ça, en fait, c'est que des chanteurs québécois. Et là, on a Daniel encore Daniel Bélanger. 4 saisons dans Le Désordre. Voilà. Et cela, c'est quel album? Les Insomniaques s'amusent. Donc voilà. Donc je pense que ça y est, il a eu tous ses CD. Je crois. Alors je suis plutôt contente pour François Pérusse, moi. Parce que il vient de sortir et on ne devait pas l'avoir avant février. Donc ravie. Donc voilà pour mes petits colis de hier à aujourd'hui. Bisous.